Arrête de publier sur TikTok sans faire ça en premier parce que c'est la raison pour laquelle t'es toujours pris dans la fameuse prison des 200-300 vues sur TikTok. Et non, l'algorithme TikTok ne te déteste pas. C'est juste que le début de tes vidéos, tes 3 premières secondes ne sont pas assez puissantes. Donc si tu veux avoir du succès sur TikTok, reste ici et abonne-toi parce que je m'appelle Annie et je suis ta TikTok bestie. Je te parle toujours de ma méthode du triple hook. Simultanément, dès le début de ta vidéo, tu dois faire un hook textuel, subliminal et verbal. Aujourd'hui, on parle des hooks verbales. Ce que tu dis. Tu dois absolument porter une attention particulière à la première phrase que tu dis dès le début de ta vidéo. Aujourd'hui, je te partage 4 types de hooks différents pour piquer la curiosité de ton audience pour les forcer à écouter tes vidéos. Premièrement, il y a le hook test. Et tester quelque chose dans ta niche pendant X nombre de temps et voici ce qui s'est passé. Comme par exemple, j'ai testé le Pilates pendant 30 jours et voici ce qui s'est passé. Ensuite, il y a les secret hooks. Tu vas révéler quelque chose de secret à ton audience. Comme par exemple, voici ce que les gourous de n'importe quelle industrie ne veulent pas que tu saches. C'est une des meilleures façons de commencer une vidéo, c'est en posant une question à ton audience. Donc, avec un question hook. Comme par exemple, savais-tu que ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Ensuite, on a le voici comment hook. Comme par exemple, voici exactement ce que j'ai fait pour atteindre les 10 000 abonnés dès mon premier mois sur TikTok. J'ai vraiment d'autres types de hooks verbales. Est-ce que tu aimerais une partie 2? Si oui, abonne-toi et commente part 2!